find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Mon nouveau vélo, donc c'est un Sun Radical S1. Donc voilà, il est presque tout d'origine. Donc on va commencer de la droite vers la gauche. Donc les pneus, c'est des Panaracer FR2.4. Voilà pour la largeur. Ensuite, la fourche, c'est une fourche Boxer Race de 2010. Voilà, 200 mm de débattement double T. Ensuite, les freins, c'est des Formula RX 203 mm avant et arrière. Le sein, c'est un Rental Fat Bar Light, c'est moi je l'ai changé, il est 740 mm. Les poignées, c'est les poignées de mon ancien Bitwin. Les commandes Formula RX encore et SRAM X5 pour le dérailleur arrière. Le cadre, il est en taille S. Ensuite, l'amortisseur, c'est un Vivid 4.1 RockShox. Voilà, transmission monoplateau, truvative. Voilà, pédale d'origine. La selle, c'est une SDG Fly Sun. Ensuite, on a un engin derrière MRP G2. Voilà, deux petits stickers parce qu'il y a quelques rayures. Les pneus, c'est des Maxxis Aix Roller 26.2.35. L'avant, c'est la roue d'origine et l'arrière, c'est une roue Mavic qui a été changée. Les freins, c'est encore des RX 203 mm avec un dérailleur SRAM X5 qui est un peu dur quand même parce que bon, c'est un peu galère. Les deux roues, c'est du 26 pouces. Il est monté en chambre à air. C'est un DH qui coûte dans les environ 3000 euros. Je dis environ parce qu'il y a quelques modifications dessus. Donc voilà, le Radical S1. Donc voilà, moi j'espère que le vélo vous plaît. Et voilà, je prends juste le vélo. J'étais de mon pote. Custom Jumper. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.